vie. J'ai voulu l'épater, oui, mais pas riche. Alors que faire? Lui offrir des bijoux? Il n'y faut pas songer, et c'est pas ça que les femmes préfèrent. Maintenant elles sont au sport, vous devinez alors, avec très peu d'argent, ce que j'ai depuis quelque temps. Pour promener Mimi, ma petite amie Mimi, elle songe à faire Toto, j'ai une auto. J'ai payé 300 balles chez Monsieur Hannibal, le marchand d'occasion de la rue de Lyon. Autant de bruit qu'un grand camion de 5 tonnes. Les gens m'entendent venir, j'ai pas besoin de klaxon. Mais je me pousse du faux col, car ça c'est de la bagnole. Ça n'est pas du taco, c'est une auto. Ah ouais, ça c'est de la bagnole alors, hein. Ah, dis donc, Mimi, qu'est-ce que tu dis? Tu dis qu'on est secoué. Oui, d'accord, on est secoué, mais les chaos, ça nous rapproche. Alors bon, qu'est-ce qui se passe? Attendez les enfants, je vais aller voir. Ah ah, je vois ce que c'est, je vois ce que c'est. Allez. C'est le carburateur qui a glissé dans la dynamo. Alors ça encrasse les bougies du pont arrière et ça fait des ratés dans le radiateur. Ce qui fait que les accus touchent les soupapes et que ça empêche l'essence de venir dans le klaxon. Hein, qu'est-ce que tu dis, Toto, que je suis calé en mécanique? Oh bah ce serait malheureux, dit ma mère, avec une machine à coudre. Allez, Mimi, appuie sur le démarreur. Ah, ça repart du premier coup, hein. Oh, ça, c'est ta bagnole. Dans ma petite voiture, on ne fait pas du sang. Il n'y a qu'un défaut, les roues dévissent. Pour sceller les écrous, après chaque tournant, notez que ça fait d'exercice. J'en perds une quelques fois, mais il en reste trois. Somme toute, il y a un tas de gens qui n'en ont pas autant. Mimi, ma petite amie Mimi, et son jeune frère Toto, j'ai une auto. C'est le genre torpedo, c'est chouette quand il fait beau, mais s'il tombe de la flotte, il n'y a pas de capote. Mimi ouvre son cœur poussant comme un champignon, me le long brise dans le cou et dans le pantalon. Mais je me pousse du faux col, car ça c'est de la bagnole, ça n'est pas du taco, j'ai une auto. Oh ben, qu'est-ce que vous voulez, hein, que la petite voiture qui a passé de petits inconvénients, hein. Nous on file à plein gaz. Regardez-moi ça, on fait au moins du 35 à l'heure. Si on continue comme ça, on sera à Nice dans un an. Attention les enfants, un virage. Oh, bah qu'est-ce qui se passe encore? Oh, c'est le siège arrière qui est resté dans le virage. Avec Toto. Eh ben Toto, ramène ta banquette. Avec un morceau de fil de fer, t'as qu'à l'accrocher au pare-brise. Hein? Mimi, appuie sur le démarreur. Voilà, ça y est, c'est parti. Enfin nous arrivons, regardez ce ciel bleu, voilà le but de notre voyage. On va passer le week-end comme les bienheureux, allons grand hôtel de la plage. Arrêtons devant le portier, on va bien l'épater, mais pourquoi rigole-t-il, cette espèce d'imbécile? Mimi, ma petite amie Mimi, et son jeune frère Toto, j'ai une auto. Y'a plus de chambre, nom d'un chien, il n'y a plus rien de rien. Y'a qu'une baignoire d'enfant, c'est pas marrant. Ben Toto, il couchera, vous occupez pas de nous. Mimi, y'a la voiture, elle est là pour un coup. Elle était tartignole, mais ça c'est ta bagnole, où je fais cocorico.